Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors, on va commencer cette vidéo par des belles images. Donc voilà, je vous fais découvrir mes trois amours. Alors ici, c'est Ryu. Donc petite mention pour Yannick, auquel j'avais promis de montrer mes chats. Donc ça, c'est mon petit Ryu, c'est le petit dernier. Là-haut, on a Mimine, qui est dans son, comment dire, dans son refuge. Mimine, regarde par ici. Voilà. C'est un petit cœur. Et je vais vous montrer la troisième. Voilà, c'est ma persane Maddy qui s'appelle comme moi, que j'ai renommée Fifille. Donc voilà, c'est la plus âgée, elle va avoir 5 ans. Voilà, c'est une vraie beauté, mais qui est un petit peu chipie. Voilà, donc vous avez les trois qui sont toujours pas très loin de moi. Et que pour lesquels je suis eh bien la maman puisque je m'occupe d'eux. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil donc aux amoureux des chats et surtout à Yannick qui voulait savoir quels étaient mes trois chats. Et on va entamer maintenant le tirage. Alors, dans la deuxième partie de la vidéo, après vous avoir montré mes chats, eh bien, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Autriche, puisque je sais qu'ils ont reconfiné, enfin plutôt ils ont confiné les personnes non vax. Et donc, eh bien, regarder un petit peu ce qui va se passer pour les personnes. En fait, ils sont en train de suivre un petit peu l'exemple de l'Australie, malheureusement, hein. Donc, on va regarder comment ça va évoluer la situation et puis on va voir si ça pourrait arriver en France puisque vous êtes en train de vous faire du souci à ce sujet. Bon, alors tout ça quand même, moi je trouve que c'est fait exprès hein, pour affoler les populations. Bon, voilà quoi. Personnellement, moi ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Hein. Ils n'ont pas les moyens matériels, on va dire. Hein. Vous vous rendez compte? Il faudrait qu'ils contrôlent toutes les personnes qui sont non vax pour les empêcher de sortir, etc., etc., ou alors les contrôler, enfin bon. Bon, bref, on va quand même aller regarder, puisqu'ils l'ont bien fait en Autriche, et puis on va voir si ça pourrait arriver en France. Alors, donc l'Autriche. Donc on a des gens, voilà, l'accident pour les gens finalement qui, comment dire, qui ont refusé la piqûre, quoi. Hein. Pour moi, c'est toujours ces gens-là, les gens qui privilégient le contact. Donc voilà, les gens qui se battent un petit peu pour que les relations humaines restent humaines. Donc accident pour ces personnes-là. Alors, comment va évoluer la situation donc en Autriche pour les non-vax? Donc pareil, on va faire les lettres du pays. Hein, je trouve que c'est une bonne méthode. Il ne faut pas que je me trompe dans les lettres. Hein. AUTRICHE. Et voilà. J'aurais pu le faire en allemand, Österreich, mais enfin bon. On va le garder en français. Alors. Ouais. Ah ben la fameuse carte du ver brisé que j'avais. Bon, ça c'est la discrimination. On les a un petit peu ici, là, la première, la dernière carte. Donc c'est la discrimination par rapport à la maladie. Donc ça, on le retrouve. Ici, vous avez alors la prostituée, les choses malhonnêtes. Donc, c'est le pass sanitaire pour moi. Alors, d'ailleurs, sans vouloir être vulgaire, passe, faire une passe. Donc, ça, c'est la prostituée. Vous voyez qu'on peut, en sortant un petit peu des cartes, eh bien, retrouver les histoires de passe sanitaire. On essaie de vendre quelque chose, de le rendre attractif. Donc, encore une fois, le passe sanitaire est là. Là, vous avez bien la contrainte ici. On met les gens sous pression, sous tension. Et donc là, vous avez définitivement le confinement, puisqu'on a les murs qui se resserrent, donc manque de liberté. Hein. C'est quand on est dans une espèce d'impasse ou de goulet d'étranglement. Donc pour moi, c'est ici le confinement. Donc discrimination, passe, contrainte, confinement. Les gens, ma foi, les pauvres gens hein, qui sont dans la demande, donc les gens qui sont en fait sacrifiés un petit peu ici, la population, le peuple.
Et ici, bon, bah, ça va être médiatisé. Et donc, l'accident, ma foi, c'est parce que les gens ne s'y attendaient pas. Donc, c'est quelque chose qui se casse. On peut y voir aussi la perte de la liberté, hein. Symboliquement, ça peut être de l'eau aussi. On peut voir plein de choses avec cette carte-là. C'est aussi la brutalité de ce qui est arrivé. C'est extrêmement violent d'enfermer les gens contre leur volonté. Voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve un peu la situation en Autriche. On pourrait encore certainement dire d'autres choses, mais on va quand même regarder la façon dont finalement eh bien, la situation va évoluer. Donc, on va regarder. Alors. Voilà. Et là. Alors, il va y avoir de la contestation. Donc, ça, c'est les gens qui doivent être en train de se défendre. Je n'ai pas été regardée, mais je suppose. Bon, un tourbillon. Donc, c'est bien le danger, hein. Quelque chose qui s'accélère aussi, un tourbillon. Là, donc c'est pareil, hein, c'est les contestations, là et là. Ouais, donc ça va être un peu comme en Australie, quoi. Hein. Et là, la fameuse, comment dire, l'agriculteur qui plante ses graines. On avait la carte ici des médias, et là, on a la carte des gens qui sèment des graines, donc ça va être très médiatisé. Et il va vraiment y avoir des gens qui vont se soutenir. Enfin bref, les gens vont aller défendre leur liberté. Hein. Et puis c'est un tourbillon. Donc un tourbillon, bien ma foi, ça va s'accélérer. Et ça peut s'agrandir. Ça peut faire tourbillon. Bon. Donc en fait, la question, comment ça va se passer en Autriche, eh ben, ça va mal se passer. Parce que les gens vont aller se battre pour défendre leur liberté. Alors, est-ce que ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont pouvoir regagner leur liberté hein? Alors, ici, il y a des gens qui vont partir. Alors, la nuit, alors, on va regarder. On va laisser cette carte-là un peu de côté parce qu'elle est difficile à interpréter toute seule. Alors, par contre, il y a des gens qui vont partir. Je vois pas trop pourquoi, puisqu'ils sont confinés. Donc, on va regarder. Ouais, donc, ça, c'est les choses qui sont cachées, occultes. Alors, pourquoi j'ai des départs ici? Des séparations. Bon, bah ça c'est effectivement la politique sanitaire. Alors la séparation, c'est encore les histoires de discrimination qu'on avait ici en fait, hein. Donc en fait, on a de nouveau l'histoire du confinement avec le côté médical. Alors ça veut dire aussi qu'il y a certainement des personnes qui vont céder à la pression, à mon avis, hein. Et donc, ils vont prendre le train en marche. Voilà, c'est ça que je viens de comprendre. Pour les questions de vax. Donc oui, ils vont atteindre une partie de leur but, qui finalement est de rallier une certaine catégorie de la population qui a résisté. Donc il y en a qui vont craquer, les autres qui vont résister. Alors comment ça va se finir? Ouais, il va y avoir quand même un changement. Oui, enfin, un changement de conscience, j'allais dire, mais plutôt en fait une prise de conscience. Qui peut être aussi au niveau mondial, au niveau européen. Hein. Donc là, ce sont des gens qui sont en train de conduire. Donc la conduite de quelque chose. Il y a les enfants qui interviennent et des mesures. Alors, ça veut dire que si en Autriche, ils vont prendre des mesures pour les enfants. Par contre, pour l'instant, je ne leur vois pas regagner leur liberté. Ce qui est un peu embêtant. Ouais, j'ai bien la carte du temps. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème va mettre quand même un petit peu de temps à être réglé. Enfin, si on peut dire que c'est un problème, c'est plus que ça, hein. C'est carrément enfin bref, une catastrophe au niveau de la démocratie. Mais je voudrais savoir ce que c'est que ça. Est-ce que au niveau européen, il va y avoir des réactions? Ouais, ça va pas plaire effectivement à tout ce qui est européen. Alors, j'ai plus les institutions en tête. Hein. Enfin bref, le Parlement européen ou j'en sais rien. Donc là, effectivement, il va y avoir, je pense, des recours à ce niveau-là. Mais est-ce que les non-vax vont pouvoir être libérés quelque part? Alors, il y a des choses de l'étranger. Oui, il y a quand même une amélioration de situation. On va regarder par rapport à ici. Et ça peut être la liberté aussi, hein, la mer.
On a tous le poème en tête, hein, le poème en tête, pardon. Homme libre, toujours tu chériras la mer, hein, je sais plus de qui c'est. Pardon, vous savez, en vieillissant, on oublie un petit peu aussi. Mais c'était un très beau poème. Enfin bref, pour moi, la mer, c'est l'étranger, mais c'est aussi la liberté. Hein, parce que c'est, on a toujours l'impression qu'elle est infinie. Donc, la liberté ici et amélioration de situation. Alors, pour ça va quand même passer par un orage. Alors, j'étais en train de réfléchir, c'est est-ce que c'est les histoires de cour européenne ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est, parce que là, une conduite, c'est aussi une initiative, on met des choses en route, hein? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, qu'est-ce qui va faire que la situation va finalement se résoudre? Bah, il y a des recommandations, oui, donc il va y avoir quand même des gens qui vont aller taper du poing sur la table, hein? Ici. Voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir quand même comment dire, des réactions. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je ne suis pas convaincue, moi. Si, quand même, il y a bien la liberté qui est retrouvée. Ce qui m'embête, c'est, j'ai l'impression quand même qu'il y a, il y a, c'est comme si, en fait, je sais pas comment vous dire, il y a vraiment une partie de la population qui va craquer. Ouais. C'est ça qui m'embête. C'est qu'il y en a qui vont déprimer, mais aussi qui vont accepter. Voilà, ça c'est la punition, c'est le fouet. Donc ils vont accepter de se faire pique-pouser, comme on dit, pour retrouver leur liberté. Et ça m'embête. J'étais partie sur une amélioration de situation, oui, mais il y a une population, comment dire, une partie de la population qui va quand même malheureusement accepter. Et je me demande si c'est pas à cause de ça finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont atteindre un certain pourcentage, je pense, hein, parmi les résistants, ceux qui n'étaient pas vax. Hein, donc, mettons qu'il y en ait, je sais pas moi, je vais dire, j'en sais rien, un tiers. Bon, j'en sais, j'ai pas les chiffres. Hein. Mais si dans ces un tiers, s'il y en a les deux tiers qui baissent les bras, eh bien, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils arrêteront leurs représailles. C'est comme s'ils voulaient atteindre le maximum de personnes. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça. Parce que oui, il va y avoir des contestations, oui, il va y avoir des critiques, mais oui, il va y avoir des gens qui vont se battre. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que ce sera ça qui va résoudre le problème. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que l'amélioration de situation viendra finalement du fait que le gouvernement là-bas va arrêter tout simplement les mesures? Ouais, donc le gouvernement, il a, vous voyez, là, en fait, c'est ça, hein, il appâte, enfin, il appâte. Il appâte les gens, oui et non, parce qu'il les enferme. Alors, c'est pas vraiment appâté, mais c'est quelque part le piège. Hein, c'est le piège avec l'hameçon, là. Donc, en fait, ils vont les hameçonner. Comme j'ai dit, hein, quelquefois dans le tirage, ils sont partis les rechercher, ceux qui n'avaient pas mordu à l'hameçon, c'est exactement ça. Donc c'est ça en fait. Hein. C'est à mon avis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ouais, donc ils vont attendre qu'il y ait encore une augmentation des personnes qui soient à s'injecter pour réouvrir la porte. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc je suis pas sûre que toutes les contestations, etc., etc., changent énormément de choses. Il y en aura hein, des contestations. Il y en a sans doute. D'ailleurs, j'ai pas été du tout regarder les nouvelles, hein, franchement. Mais il doit y en avoir très très certainement. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que c'est ça qui fera que les choses vont arrêter. J'ai l'impression que ce sera au moment où ils ont harponné, pardon, hameçonné suffisamment de personnes, que là, ils laisseront les gens de nouveau ressortir. C'est parce que, pour moi, c'est comme s'ils voulaient atteindre un certain quota, en fait. Est-ce que c'est ça? Ouais, il y a les gens qui sortent, c'est ça. Donc, ça peut montrer effectivement les personnes. Voilà. Bon, de toute façon, ça restera avec quand même une coupure dans la population. Bon. Alors, on va regarder maintenant si ça va arriver en France. Allez. Avec qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait déjà en France? On peut se demander, hein. Mais bon, que les gens continuent quand même à accepter ces guignols. Enfin, en fait, ils font même pas rire. Hein. Enfin, bref, ces espèces de marionnettes, si vous voulez, c'est vraiment toute la France qui devrait aller dans la rue, là. Parce que quand même,
Ok, bon, allez, je vais arrêter de râler. Alors, est-ce que le gouvernement français pourrait également faire la même chose qu'en Autriche, c'est-à-dire en fait, ben voilà, confiner donc les non-vax? Alors, est-ce que ça pourrait arriver en France? Ben, on va regarder, on va faire cette fois les lettres du mot France, hein. Alors là, j'ai encore les militaires avec les espèces de courses. Ouais, ok. On va laisser l'armée de côté hein, dans ce tirage. On va se concentrer sur la question. Donc, est-ce que le gouvernement français pourrait faire les mêmes mesures? Donc, FRA. Donc, M. C. Voilà, sachant qu'il y a quand même les élections. Et que, bon, pour l'instant, Monsieur Caligula ne s'est pas redéclaré candidat, mais il y pense fortement quand même, hein. Alors, il y a quand même les méchancetés du gouvernement. Bon, ok, on est, ça c'est sûr. Ah, il y a les questions d'argent. Il y a les manifestations éventuellement ici. Il y a les grèves qui arrivent. Ouais, il y a quand même une peur, hein. Les gens, ils ont peur. Vous les avez ici, hein. C'est de la propagande, tout ça, quand même. Pour l'instant, c'est plus les sanctions avec l'argent en France. Hein. Bah oui, puisque pour les aides-soignants, etc., etc., c'est plutôt la punition par l'argent, puisque le manque de travail, donc le manque d'argent. Pour l'instant, c'est plutôt ça que je vois. D'ailleurs, on peut le voir ici dans cette carte-là, où on ne peut pas aller travailler. J'ai parlé de grève. Mais je vais rectifier, c'est plutôt en fait ici et là, le fait qu'on ne puisse pas encore une fois aller travailler, donc on met l'appel de côté, on ne peut pas travailler, et qu'on manque d'argent. C'est plutôt vraiment la politique actuellement suivie par le gouvernement français. Pour le reste, je ne vois pas les histoires de confinement ressortir pour les non-vax. Alors, on va aller quand même remettre une carte sur la méchanceté ici. Elle va très bien, cette carte-là, aux gens du gouvernement français, je trouve. Hein. Voir ce qu'éventuellement ils pourraient avoir dans leur projet machiavélique. Mais bon, les gens, ils ont peur, hein. C'est sûr. C'est sûr. Alors, de l'eau, ok. Là, c'est les contraintes. Là, c'est éventuellement les recommandations. Et là, ah oui, ben oui, évidemment, évidemment. Les gens qui ont peur par rapport à ce qui pourrait leur arriver, qui serait très, très négatif. Hein. Je vous dis, c'est vraiment le. En plus, on pourrait voir avec les yeux jaunes le côté très maléfique pour être un petit peu grandiloquente. Hein. Les gens, ils sont terrorisés presque, j'ai l'impression. C'est fou, ils ont réussi à terroriser les gens. Je veux dire, je peux comprendre, évidemment, hein, si on vous bassine ça à longueur de journée, dans les médias, à la radio, dans les conversations, avec le pass qui est demandé partout. Moi, c'est, je sais pas comment est-ce qu'on peut résister, c'est difficile, hein. Il faut se trouver un petit pôle de calme. Parce que là, quand on est pris dans cet engrenage, c'est difficile. Alors, ces histoires ben, je pense que ça peut être l'injection ici, parce qu'on verse quelque chose. Ouais, ça peut être ça. Bon, je vois pas les histoires de confinement pour l'instant. Non. Vous voyez, c'est plutôt les recommandations aussi. C'est l'adulte qui parle à l'enfant. Alors, en fait, ça veut dire aussi qu'ils infantilisent les gens. Hein. Ouais. Bon. Hein, faut prendre toujours ces cartes-là, ce sont des cartes associatives, donc évidemment, il faut aller chercher un petit peu au-delà de la carte. Hein. C'est pas le père qui parle à son fils ou à sa fille, on ne peut pas voir exactement. Mais ici, c'est les gens, ici, vous voyez la posture qui se baisse, qui se met au niveau des gens qui sont plus petits. Donc on peut y voir ici la condescendance du gouvernement par rapport aux gens, au peuple. Hein. Qui les infantilisent, pour moi c'est ça, hein, qui leur disent, mais si tu ne vas pas te faire voilà picouser, eh bien, pas de travail, pas d'argent. Bon, ça reste comme ça pour l'instant. Et puis évidemment, évidemment, la troisième dose, sans troisième dose, pas de passe, donc pareil. Alors, c'est pas pas d'argent, puisque c'est pour les plus de 65 ans, mais c'est pas de liberté quand même, hein.
Ok, donc les contraintes ici. Bon, on voit quand même aussi, on a toujours quand même des gens qui manifestent, hein, on le voit toujours, mais vous avez vu aussi, et ça je l'avais dit, je ne sais plus il y a combien de temps, que je vous avais dit que les manifestations, ça n'apporterait malheureusement aucune, comment dire, ça n'aura aucune conséquence sur la politique du gouvernement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester, au contraire, il faut continuer. Mais je savais vraiment à l'intérieur de moi que le gouvernement s'en ficherait. Voilà, c'est tout. Bon. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de remporter la bataille. Alors, donc, je suis en train de bavarder comme d'habitude. Bref, donc, oui, les gens sont terrorisés. Mais tout ça, c'est quand même de la propagande. Voilà, c'est relayé par les journaux ce qui se passe en Autriche. Alors, bien sûr, après, est-ce que la France va faire la même chose, etc., etc. Moi, je n'ai pas l'impression, au vu des cartes, non. C'est vraiment avec les histoires de chantage, ce que je viens d'évoquer. Mais il n'y a pas de confinement. On va reposer la question. Est-ce qu'il y a un risque? Donc, le gouvernement est par là. De confiner donc les personnes qui sont terrorisées ici, qui ont vraiment peur et qui sont dans des situations ici de dépression, hein. C'est sûr, hein, mais ce qu'ils sont en train de faire, je crois qu'on a jamais vu ça, franchement. Ah si, quand même, pendant la Seconde Guerre avec Hitler, c'est vrai. Enfin, Hitler, il l'avait fait autrement, hein. En fait, il avait éliminé carrément tous les concurrents, lui, hein. À une époque, je m'étais posé la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que personne n'avait réagi quand Hitler a pris le pouvoir et qu'il a commencé à faire évidemment toutes ces mises en place, sa dictature, etc., etc. Et en fait, en cherchant, en lisant, etc., eh bien, je me suis aperçue que les pauvres gens qui avaient contesté sa politique, qui refusaient de faire le fameux signe de saluer, quoi. Bien, en fait, ils avaient tous été torturés ou bien tués, enfin les deux, hein, torturés, tués, enfin bref, il avait éliminé toute la contestation, tout simplement. Bon. Alors, actuellement, c'est plus subtil quand même, hein, mais quelque part, ça revient au même. Or, comment est-ce que finalement la guerre a été gagnée? Ben, Hitler, il a fait l'erreur de s'attaquer à la Russie avec le fameux hiver. Et là, il a perdu la moitié de son armée. Hein. Il avait sous-estimé l'hiver russe. Et puis, en fait, il était dans la démesure. Hein. Donc, il avait mal estimé la situation. Il faut toujours regarder un peu les leçons du passé. Parce que là, quelque part, c'est un petit peu en train de se passer. Ils sont en train d'exagérer. Ils vont trop loin. Et alors, il y avait ça. Et pourquoi est-ce que Hitler a perdu? Ma foi, il y avait évidemment la résistance. Mais la résistance, elle était cachée. Et c'est là où mon conseil, c'est il faut aussi être, il faut résister, mais de façon, on va dire, plus cachée. Alors, les manifestations, c'est très bien, il faut continuer, mais il y a aussi une résistance qui doit s'organiser de façon plus subtile. Bon, voilà, j'ai fermé ma parenthèse. Alors, ici, on a encore les histoires d'enfants. Je vous dis, les enfants, ça va venir sur le tapis tôt ou tard, hein. Ils ont déjà commencé avec les ados. Ça, je crois que je l'avais déjà vu, mais je vous avais dit aussi que bon, pour les ados, ce serait pas lié au fait d'aller ou pas à l'école. Hein, je me souviens d'avoir dit ça, mais qu'il y aurait des limitations au niveau, oui, des sports, des loisirs, etc. Bon, ouais, ça, c'était quelque chose que j'avais très fortement ressenti. Eh bien, je pense qu'ils vont faire tôt ou tard la même chose avec les enfants plus petits. Ça reviendra sur le tapis, cette histoire. Pour l'instant, ils l'ont mis de côté, mais ça reviendra sur le tapis, parce que c'est là. Alors, pour les histoires de confinement, ben, je vous dis, les gens, ils ont peur, hein, voilà, à l'aide. Mais bon, c'est pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Ils ne le font pas. Ils ont d'autres choses en projet. Moi, je vois pas les histoires d'enfermement. D'ailleurs, regardez, ils vont avoir des ennuis au niveau du gouvernement, puisque le gouvernement, je l'ai mis ici, hein. Bon, alors, évidemment, il y a toujours des gens qui vont continuer à faire, comment dire, à jouer un petit peu au mouton, hein, parce qu'ils ont peur, justement. Bon, ben ça, c'est ceux qui vont prendre la troisième dose ou ceux éventuellement qui vont aller prendre la première, voire la deuxième, hein, qui vont jouer le rôle des moutons parce qu'ils ont peur. Mais ces gens-là, si jamais ils me regardent, je voudrais leur dire, ne croyez pas que cela changera quelque chose. Ça ne changera rien. On veut vous faire croire qu'il y aura un retour à la normale, mais il n'y aura jamais de retour à la normale. C'est fini tout ça.
Il va falloir l'accepter, hein. Le monde a changé. Bref, donc nos moutons sont là et le gouvernement, de toute façon, lui, il va vers les problèmes, hein, parce qu'ils sont allés très très haut, très 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 haut. Et là, ils vont se casser la figure. Bon, enfin bref. Donc non, je ne vois pas de confinement pour les non-vax. Si je me trompe, j'aimerais faire mon mea culpa. Mais non, moi, j'ai pas l'impression. Là, faire rentrer les moutons dans l'enclos, ça ne veut pas dire que ça va être confiné. Pour moi, c'est plutôt les gens ici qui sont terrorisés, qui ont peur et qui vont suivre les autres moutons qui, eux, sont dans l'enclos, qui se sont enfermés eux-mêmes avec leur passe. Mais je ne vois pas de gens confinés à la maison, non. On va encore remettre une autre carte. On va faire dans l'autre sens cette fois. Moi, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, ça aurait été mieux. J'ai mis d'abord là et là. Et là, j'aurais peut-être dû mettre là et là. Enfin bon. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que il va y avoir la lumière quand même qui va être faite. Hein. Je ne vois pas en tant que succès, moi, ici. Non. C'est plutôt la lumière qui va être faite sur les agissements du gouvernement. Et par contre, ici, attention aux fameux moutons, les gentils moutons, franchement, ils font de la peine, qui vont justement rentrer dans l'enclos, parce que ce qui les attend, c'est malheureusement ça. Hein. Mais vous voyez, ce n'est pas la carte de l'enfermement. J'en ai une dans le jeu. Hein. Enfin, j'en ai même plusieurs. Ce n'est pas sorti. Alors, on va aller regarder du côté des ennuis, là. Où il y a la lumière qui va être faite. Ici. Il faut bien quelque part qu'il y ait aussi un petit peu le retour de bâton. Hein. Ouais, donc il va y avoir quand même encore une fois alors les fameuses révélations. Mais bon, ça remonte quand même. Hein. Vous avez vu, hein, on a de plus en plus quand même de gens qui se réveillent, qui viennent témoigner. En fait, ce que j'avais dit, je vous avais dit que les effets secondaires, on allait en parler de plus en plus. Hein. Et peu de temps après ma vidéo, ben, ça a commencé de plus en plus. Mais ça s'explique au niveau astrologique. Hein. Là, il y a Saturne qui est en train de partir. Et du coup, les gens vont vouloir savoir ce qui se passe. Hein, Saturne bloquait la vérité. Enfin bref. Donc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais n'empêche que oui, il y a des gens qui vont vouloir vraiment savoir ce qui se passe, etc., etc. Donc, et là, vous voyez, il y a des choses qui vont être révélées. Bon, on essaie d'empêcher les gens de parler, mais ce ne sera pas possible. Voilà, il va y avoir effectivement beaucoup de choses, comment dire, de nouvelles, de blogs, enfin, je sais pas, de messages, tout ça, qui vont être mises, hein, des gens qui vont parler, enfin, bref, des conférenciers, des gens qui sont dans le monde de la science, des journalistes, tout ça, qui vont révéler des choses sur cette fameuse substance. Voilà. Ah, on a notre Superman qui arrive. Il y a aussi des questions de justice qui arrivent. Sur la politique sanitaire. Bon, allez, je vais arrêter là, parce qu'après, on va partir dans plein, plein de choses. Je vais m'éloigner du tirage. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en Autriche, eh bien, ma foi, risque de pousser les gens qui sont déjà pas bien mentalement et qui ont très peur ben, des yeux dorés, là, enfin, ben, dorés, des yeux, on va dire, jaunes du diable, hein. Qui ont très peur du malheur, en fait, c'est un peu ça. On le voit ici. Eh bien, ça risque de les pousser à suivre les moutons dans l'enclos avec, malheureusement, des conséquences possiblement dramatiques, hein, notamment les effets secondaires, voire pire. Donc, c'est plus, en fait, hein, de la propagande, de l'intox, de l'intimidation. Je ne vois pas le gouvernement français mettre ça en œuvre, puisque, finalement, avec ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils sont en train de faire, de continuer, ça suffit finalement. Ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Mais bon, tout ça, de toute façon, comment dire, alors n'aura qu'un temps, j'espère, mais il va y avoir de la contestation de plus en plus. Hein. Voilà. Donc non, pas de confinement pour les non-vax. Et en Autriche, ma foi, oui, il va y avoir la contestation, mais comme je vous ai dit, je pense que ce sera le gouvernement qui mettra fin parce qu'ils veulent en fait atteindre un certain nombre de quotas et j'ai un petit peu peur qu'ils l'atteignent. Voilà. En tout cas, nous, on reste ferme, on reste solidaire, on résiste ensemble. Et comme la Seconde Guerre, ma foi, eh bien, les tyrans finissent toujours par chuter.
Voilà, plein de bonnes choses à vous et à bientôt. Au revoir.